Eh bien, salut les amis, on se retrouve pour une vidéo ouverture box pré-release. Donc j'ai réussi à nous avoir des box pré-release pour nous faire un petit tournoi casu. Donc normalement on organise ça dimanche prochain, nous serons le 8 à partir de 10 h et on va faire ça sur notre Discord puisque en raison du corona on ne peut pas se retrouver dans nos salles. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau de la du pré-release, puisque dans ma commu, on n'a jamais eu l'occasion d'en avoir. Enfin, en tout cas, moi, c'est la première fois que j'en ai. Donc, je vais changer d'écran et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc, voilà comment ça se présente. Je vais virer ça. Je ne pensais pas que ça gênerait autant. On va recadrer un peu mieux, tiens. Voilà, ouais, comme ça c'est bien. Alors, donc voilà, boîte style deck box, hein, donc forcément avec le thème. D'un côté, on a, je ne sais plus comment il s'appelle, et c'est pas l'important, c'est voltage éclatante. Éclatante. Derrière, il y a le contenu. Vous trouverez à l'intérieur un booster évolution de 23 cartes contenant une carte promotionnelle brillante unique. Il y a 4 cartes, comment, il y a 4 cartes promo. Pour cette extension, c'est souvent le cas, et souvent il est marqué voltage dessus, et elle est holographique. Donc il y a 4 boosters épée bouclier voltage éclatant et une carte à code pour le jeu online. On va passer à l'ouverture directe, hein, et on va voir ce que je l'ai déjà ouverte parce qu'en fait ceux qui m'ont acheté les boîtes, ben, je leur ai montré ce que c'était à l'intérieur pour pas qu'ils aient l'impression qu'il n'y ait rien du tout, parce que c'est vrai que c'est un peu carton. La boîte est pas mal, les illustrations sont sympas, mais bon, donc ça, on s'en moque. Et voilà ce qu'il y a dedans. Donc, normalement, tout est bien scellé. Ici, comme je vous ai dit, moi je l'ai ouvert déjà, donc il y a la fameuse carte à code. Là, c'est le paquet de cartes, donc attendez, je reprends le petit papier pour être bien sûr. Donc le booster évolution de 23 cartes, c'est ça, c'est un gros paquet de cartes comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, attendez, je me cadre. Voilà, forcément, la caméra qui déconne toujours bien pour faire le point. Il faut vraiment que j'arrange ça, mais enfin bon. Donc il y a 23 cartes. La fameuse carte brillante, là j'ai eu de la chance, j'ai pécho le beau Dracaufeu qui est là. Il est magnifique. Et alors vous voyez, il y a le logo de la série dessus. Donc ça c'est la carte promotionnelle. Il y en a 4 différentes à collectionner. Ou pas bien sûr. Alors là-dedans, ce fameux booster de 23 cartes, il se présente comment? On a du dresseur. Je vais mettre ma main comme ça j'espère que vous voyez bien. On a du dresseur. Donc ça c'est une nouvelle dresseur, Tarak. Sonia, c'est une qu'on connaît. Recherche professorale, c'est une qu'on connaît. Nabil, c'est une qu'on connaît. Ensuite, il y a un archétype déjà de préconstruit pour faire votre deck. Ok, je vais voir ça. Ici, ben voilà, on a vraiment de la chance. Encore une fois, c'est aléatoire. Donc, c'est pas parce que vous avez eu le Dracaufeu que vous allez avoir les cartes concernant le Dracaufeu à l'intérieur. Ça peut très bien être d'autres cartes. Hein. Il n'y a pas de règles. Ici, ben voilà, j'ai eu de la chance, j'ai ouvert du Dracaufeu. Donc, on a tout ce qui est lié à Dracaufeu pour faire un premier archétype. Ok? Donc, ce qui va servir de base à votre construction de deck, bien sûr. Ici, dans ce cas-ci, encore une fois, j'ai du bol. Je précise à mes coéquipiers, je ne prendrai pas celui-ci. J'en ouvrirai un le jour du tournoi. Pour vraiment partir sur les mêmes bases que tout le monde et avoir un truc complètement inconnu dans ce que je vais jouer, quoi. Parce que sinon, je vais avoir le temps de potasser toute cette semaine. Et voilà. Donc, il y a. Et ensuite, on a encore un dresseur qu'on ne connaissait pas, Faiza. Une Sally qu'on ne connaissait pas non plus au niveau dresseur. Et un Guido qu'on a déjà eu maintes et maintes fois. Donc au total, on a eu 7 dresseurs. Ok. Et alors, on a un deuxième archétype dedans. Où là, on a quoi exactement? Ben en fait, vous avez vraiment deux bases de deck en fait. Donc, soit vous pouvez partir sur du feu, soit vous pouvez partir sur du combat, soit vous partez sur les deux. Ça, c'est à vous de voir.
Je vais ouvrir les boosters aussi, comme ça on verra, et je vais tenter une petite construction de deck avec vous pour vous montrer ce qu'il est possible de faire pour le tournoi en fait. Donc, je les ai déjà ouverts, j'ai pas vraiment regardé, mais j'ai juste regardé si j'avais de la grosse carte et en fait j'ai rien. Donc, on aura pas de surprise, mais bon, je n'ai pas envie de vous baratiner. Alors, on va ouvrir ça. Donc, le petit code que je récupère. Les codes, ne les utilisez pas tout de suite, ils n'ont pas encore fait la mise à jour du jeu, donc ça ne sert à rien. Donc, pareil à la manipulation. Rare ultra ici, ça c'est l'énergie. Autre chose, quand vous faites ça en magasin, le magasin vous fournit des énergies. Donc forcément, il est évident que vous n'aurez pas assez avec les 4 énergies que vous obtenez dans le booster. Dans le kit, on reçoit 450 énergies différentes, toutes confondues en fait. Ce qu'il faut, ben là voilà. Donc dans notre cas, nous, comme vous allez jouer chez vous, ben, vous prenez les énergies que vous avez dans d'autres decks. Si vous manquez des énergies, ben, ce qu'il faut faire, c'est vous mettez, par exemple, si vous avez besoin d'une énergie feu et que vous n'avez que des énergies électriques, vous prenez votre énergie électrique, vous la mettrez dans vos sleeves, vous mettez un petit papier, vous écrivez électrique dessus. Je pense que c'est le meilleur procédé quand on n'a pas les cartes qu'il faut et ça évite d'abîmer vos cartes. Bon, on va regarder ce qu'on a eu. Hein. Donc, Pijako, Neuneuf, Anchouat, Welmer, Mélofée. Une dresseur terme de Lutster, je vais le dire après, je ne sais pas de quoi il en retourne, et énergie lavage, donc ça concerne de l'eau. Donc pour l'instant, rien qui pourrait concerner notre archétype de construction de deck. Ok, donc là pour l'instant, deck carotte pourrave quoi. Et là, un pyroli, ça fait partie du feu, mais on n'a pas encore l'évolution, et un Elexprint. Ok, donc pour l'instant, je ne vois pas je ne vois pas de construction possible avec ça, mais. On va continuer, on verra bien ce qu'on a après à l'issue de l'ouverture de tous les boosters. Hop, donc la carte à code, pareil. Je sais pas si vous voyez bien la manipulation. Donc ça c'est l'énergie. On va mettre le rare ultra rare, on va faire dans ce sens-là, tiens. Neuneuf, Chuchmur, Limga, Thibaudet, Doudouvette, Girafrig, encore une Faiza. Minotaupe, pardon, une énergie eau. Loup-Garrok, ce fameux Loup-Garrok qui nous pourrit, mais grave la vie. Mais par contre, il est un peu différent. Si j'ai l'évolution, je vais peut-être le mettre dans le deck, puisqu'on a besoin de. Voilà. Et Magerna en holographique, qui a priori ne nous servira pas non plus, vu qu'on n'est pas du tout parti dans ces couleurs-là au niveau du deck. Tout ça part ici. En fait, en termes de feu et de. Pour l'instant, on n'est pas gâté. Hein. Voilà. Ça, on regardera après. On va toujours ouvrir tout. Et je ferai une petite coupure aussi. Comme ça, je peux. Hop là, le code, j'espère que vous ne l'avez pas vu. On verra bien. Tant pis si vous l'avez vu. Ça et ça. Ici. Embrochet. Doudouvette. Miaouzme, Oxelob, ça rentre parfaitement dans le deck. Voilà, ça c'est bien, on va la mettre de côté. Salamèche rentre parfaitement dans le deck aussi. Rambou, Coconfort, Lamperrois, Lamproie, une énergie. Ah, énergie arôme, brillante. Et Métalos. Métalos qui vient ici. Bon, on va le mettre là. Et l'énergie brillante, mais c'est une énergie plante. Ça ne rentre absolument pas dans notre archétype de. Construction de deck. Et voilà le code. Et le dernier booster. Ça, c'est l'énergie. Donc. Chauve-sourire. Evoli. Ah, génial. Il nous en fallait un d'Evoli. Donc, ça, c'est bon. On est bon. Ça, on s'en fout. De 9. Dynavolt. Poulpaf. Ça vient de notre couleur. Mais. C'est l'énergie. Ok. Ah, ça, c'est bien. Mais en fait, on est. Je pense qu'on est peut-être pas si mal que ça. Et la brillante ici. Et mettre à l'autre. Okay. Donc, de base. Eh ben on est. Je pense qu'on n'est pas si mal que ça en termes. On a un Evoli qui n'est pas dégueu. Ça, le Loup-Garrok, nous n'avons pas la pré-évolution, je pense. Non, on n'a absolument pas la pré-évolution.
Ok, donc ça ne sert à rien de les mettre. Ça ne sert à rien de les mettre. Je vais déjà faire le tri rapide. Ça, on la met. Ça, on la met. Ça donne quoi? Tous les Pokémon de base subissent 20 dégâts de moins provenant des attaques des Pokémon adverses. On peut la mettre en dresseur. Et les énergies ne servent absolument à rien, donc on va pas les mettre. Ici, le Lugarok ne nous sert à rien puisqu'on n'a pas eu le Rocabo. Donc ça part aussi. On ne saura pas les jouer. Ça, ben, on n'en a pas besoin. Donc voilà, on part déjà d'une base ici pour la construction du deck. Donc, le deck, il est différent des autres decks. On a l'habitude de faire des decks à 60 cartes. Ici, ce ne sera pas le cas. Vous avez la petite... le petit... Hop, là, voilà. Ça, vous l'avez eu dans... Attendez, je vais me montrer dans le bon sens, c'est mieux. Ça, vous avez eu, c'est la petite fiche explicative pour le tournoi, en fait. Donc, c'est pas compliqué. Ils expliquent ce que vous avez comme contenu. Et alors, on vous dit ça. Vous utiliserez ces cartes ainsi que l'énergie de base pour construire un deck de 40 cartes et vous utiliserez 4 cartes récompenses. Donc, pour rappel, on a déjà un deck de base. Le booster évolutif, c'est votre deck de base. Il fait 23 cartes. Donc, si vous les mettez dedans, il vous en reste 13 à rajouter. Donc, dans les boosters, n'oubliez pas, il y a de l'énergie à ajouter et. Donc il y a moyen de construire quelque chose de sympa, même s'il y a les deux archétypes. C'est pas un souci. Hein. On va vite pratiquer. Bon, ici j'ai pas eu de grosses cartes, mais il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Hein. Donc on va tout de suite regarder ce que je peux faire en 3 secondes. Hein. Vraiment, ça va être du rapide. De toute façon, il faut de la dresseur. Donc toutes les dresseurs, je vais de base les mettre. Ça, on va garder, les volis. Il y en a qu'un, mais il est pas mal. Ça vient ici. Ça, je ne sais pas s'il l'utilise. Il y a ça. Après, il faut faire des choix, quoi. Donc, le Salamèche. Moi, je vais partir déjà sur un. Vu que j'ai eu ma carte promo Dracaufeu, je vais partir sur un Dracaufeu. Ça, c'est certain. Voilà. Donc, Dracaufeu, on va le positionner comme ça. On a déjà combien de Dracaufeu? Pour Dracaufeu, on est à 9 cartes. Ok. Pyroly, on va le mettre. Qu'est-ce qu'il nous fait, Pyroli? Si une carte capsule mémoire est attachée à ce Pokémon, les Pokémon plantes en jeu, les vôtres et ceux de votre adversaire n'ont pas de talent. Donc, et qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une capsule mémoire. Est-ce que j'ai la capsule mémoire? Non, j'ai une énergie arôme, je n'ai pas de capsule mémoire. Donc. Tarak, je sais qu'il est bon parce qu'en fait, cette attaque inflige 5. Donc pour le Dracaufeu. L'attaque inflige 50 dégâts supplémentaires pour chaque Tarak dans la pile de défausse. Donc malheureusement j'en ai qu'un. Donc ça d'office il va rentrer dans la ligne. Donc là on a à 10 cartes. Okay, il faut encore en trouver 10. Correct. Ça c'est les mêmes. Alors elle fait ça. Je sais que défausser les 5 cartes du dessus de votre deck et attacher les cartes énergie défaussées de cette façon à vos Pokémon de combat de banc. Comme il vous plaît. Donc ça déjà c'est quand même pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau de ça recherche professorale d'office j'en mets un. Parce que c'est quand même vraiment ultra fort. Ouais, alors qu'est-ce qu'il y a? Piocher, ça on va le mettre aussi. Lancez une pièce, cherchez dans votre deck un nombre de cartes inférieur ou égal au nombre de côtés face obtenu, ajoutez à votre main. Ça on prend n'importe quelle carte, on la met. D'accord. Guido, je n'aime pas. Guido, qu'est-ce qu'il fait? Lui, biochimie, carte, ciseaux. Ouais, ça peut être comique. Ça, on va les mettre de toute façon. C'est un supporter par tour. Il n'y en a quand même pas beaucoup. Et la stade, je ne suis pas sûr de la mettre. Je pense que je ne vais pas la mettre, la stade. Elle ne me sert pas à grand-chose. Donc là, on a à combien de cartes? Ça fonctionne avec ça. Ok. Ça fonctionne ici avec ça. Et ça, elle n'est pas sûre de les mettre. Ça, quand vous avez joué, Faiza. Ah, ça fonctionne avec ça. Donc ça, faut la mettre. C'est super intéressant. Ici, cette attaque inflige 30 dégâts pour chaque marqueur de dégâts sur ce Pokémon. Ça, on va mettre. Ok. Grosse attaque. Ça vaut pas forcément la peine de le mettre. Donc ça, on verra si on en a besoin ou pas. Donc combien là? On est à 10. 10.
Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Pokémon actif, brûlé, endormi, très bien. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Donc là, on est à 32 cartes. On va mettre 8 énergies. Pour moi, c'est pas assez. Donc, il faut au moins mettre une bonne dizaine d'énergies. Est-ce que 10 énergies, ce serait suffisant? Pour Dracaufeu, il en faut 2. Donc, 2, ouais, je pense que 10 énergies, c'est suffisant. On va partager ça entre 4 énergies feu. Ouais, 4 énergies. Non, 5 et 5, je pense, ouais. Ou même, non, 4 énergies combat et 6 feu. Et le deck est fait. Je vais prendre ça tout de suite. Je sais pas si j'en ai là sous la main. Hop. Après, je vais vous le montrer. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit 4 feux, parce que c'est suffisant. Et non, 4 combats. 1, 2, 3, 4 combats. 4 combats. Et 6 feux. Tac. Et je pense que là, le deck est déjà pas mal. Bon, après, c'est un petit deck hein, aussi, voilà. Hein, c'est pas non plus. Faut pas vous attendre à avoir un tour de magie, quoi. Ce qui nous manque, c'est clairement des objets. Mais je n'en ai pas eu du tout dans ma. Comment. Hop, ça, on peut virer ça. Ça, j'ai absolument aucun. Après, rien ne vous empêche. Je vais regarder quand même si je peux pas remettre une troisième couleur, mais c'est toujours mieux de partir sur une deux couleurs. C'est plus simple à obtenir au niveau de ces. Ouais, de toute façon, j'ai rien qui pourrait être intéressant. Cherchez dans votre deck jusqu'à deux énergies de base. Ça, par contre, c'est très bien, ça. Ah ouais, ça, c'est très bien. Ça, c'est très très bien, ça. Ça, je pense que je vais même le mettre. Je vais retirer. Attendez, je réfléchis. Est-ce que je retire un Salamèche? Parce que ça, je vais le mettre. Pidgeotto. Ça, c'est très bien si on l'a en première main. On peut chercher deux énergies de base, montrez-les, puis ajoutez-les à votre main. C'est super. Ça permet de. Ça, qu'est-ce qu'il fait lui? Lancer une pièce. S'il s'efface pendant le prochain tour de votre adversaire, évitez tous les dégâts infligés au Pokémon, à ce Pokémon par des attaques. Il est un petit peu nul quand même. Hein. Ça me faut de l'énergie. Le problème, c'est toujours de. Si on mélange trop d'énergie, c'est difficile d'obtenir ces énergies, quoi. En tout cas, moi je partirai là-dessus pour ce deck-là. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Mélanger votre main avec. Ça, c'est quand même fort. Mais il faut que j'aie de l'énergie. Ça, c'est quand même vraiment fort. Cette attaque m'inflige 20 supplémentaires pour chacun des Pokémon de banc de votre adversaire. Ça, je crois que je vais quand même le mettre. Je vais partir en trois couleurs alors. Donc j'éviterai. Ça, c'est trop fort. Ouais, il frappe à 130 si on a joué une Feiza. C'est quand même vraiment ultra fort. Si je mets ça, le problème c'est que si je mets Magerna, je dois absolument avoir de quoi l'activer. Donc il faut que je mette des énergies. Je l'ai aussi. Il fait que 50 pour 3 énergies, c'est cher quoi. C'est vraiment cher. C'est vraiment très cher. Je pense que ça on va éviter. Ça, j'ai vraiment envie de la mettre, un hein, Magerna, là, mais c'est quand même. Bon, je vais quand même. Il faut que je regarde un peu les énergies que j'ai vraiment besoin. Ici, il m'en faut 2. Avec 2 pour l'archétype Reptincelle, ça suffit. Donc, je pourrais faire ça. 4, 4 et 2 alors. 4, 4, 2.
Ça vous paraît bien? Je peux enlever même ça. Puisque lui, il me permet d'aller en chercher. Si je pars là-dessus et que je mettrai 3. 3 comme ça, alors. 1, 2 et 3. Je ne sais pas, hein. Je me tâte, mais je me dis que ça, c'est quand même vraiment fort, quoi. On mélange notre main, on repioche 6 cartes. C'est quand même fatal. Refonte, ça s'appelle. C'est quand même pas dégueu du tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. On a 23 Pokémon. Ça fait beaucoup quand même, mais le problème, c'est qu'on n'a pas... J'aurais préféré plus de dresseurs, mais on n'a pas eu... Pas eu de chance au niveau des boosters, en fait. Il nous reste un stade. Et le stade, c'est on subit moins de dégâts, mais notre adversaire aussi. Tous les Pokémon de base subissent 20 dégâts de moins provenant des attaques des Pokémon de l'adversaire. Le but, c'est quand même de choper du Pokémon et des énergies. Donc, moi, 10 énergies, je pense que ça me suffit. J'ai peut-être un petit peu trop de Pokémon, je devrais peut-être rajouter quelques énergies. Mais bon, ça je mettrai pas. Ça et ça, j'ai bien envie. J'ai pas eu de GX non plus. Donc mon archétype est vraiment basé sur le Salamèche. Très fort sur le Salamèche. Selon moi, il me manque quand même un petit peu d'énergie. Mais les énergies, je peux les tuto. Donc, ce qu'on va faire, je pense qu'on va. Lui c'est 90, lui c'est quand même, s'il faut exactement 2, 4 ou 6 récompenses, ça c'est quand même fort. Ça tape à 180 quoi, ça permet, s'il y a un gars en face qui a un gros ton, ça permet de le péter quoi. Ça c'est quand même plus fort que ça je trouve. Ouais. Ça je vais les enlever, je pense. On va faire comme ça. On va plutôt remettre des énergies à la place. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On resterait comme ça. Donc ça nous ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, on va mettre là. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On est à 20 Pokémon. Moitié de Pokémon. Ok. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 60, c'est quand même pas énorme. 9 et toujours à 10, on rajouterait une énergie. Comme ça, on ferait 4-4-4. Comme ça, voilà. On serait à 11 énergies. Je pense que le deck est pas mal. Voilà, on va virer ça. Ça. Et je vais vous montrer le deck. En 3 minutes, hein, donc très rapide, quoi. Celle-ci, elle évolue comme ça. Faiza, ça fonctionne avec lui. Ici, on a les... Ça fonctionne avec Salamèche. Ça fonctionne pour un peu tout. On a de la pioche, on a du refaire la main. Les deux Pokémon ici, c'est... nos énergies, enfin pour les énergies et pour refaire sa main. Voilà, je partirai comme ça. Et ensuite on a tout l'archétype feu. Donc on a un petit Evoli qui sert pas forcément. Je suis en train d'hésiter maintenant entre mettre le Evoli et de. Voilà. Et alors on a toute la chaîne Salamèche. Il aurait fallu un reptincelle en plus, ça serait vraiment été bien. Et voilà, je pense qu'on est bon. Je sais pas, vous voyez pas bien, attendez, je vais modifier directement où est-ce qu'il est, ici on va modifier la webcam comme ça vous l'aurez. Cadre, ça, la webcam, je bidouille un peu parce que
Je voudrais que vous voyez tout, toute la webcam. Voilà. Alors ici. Hop. Pour voir tout le tapis correctement. Normalement, vous voyez tout. Voilà. Donc voilà le deck qu'on a pondu ici. Ça n'existe pas. Voilà comment ça se présente. Donc là, on a l'archétype de base qu'on avait reçu. On a rajouté quelques cartes dresseurs qu'on a eu dans le... Comment je vais dire, dans les boosters. Et voilà, ça vous constitue un deck. Donc j'espère que l'explication était un peu claire pour tout le monde. Donc encore une fois, je ne testerai pas ce deck-là. Mais enfin, je le testerai sûrement avec ma fille pour voir si ça fonctionne ou pas. Mais c'est l'idée, quoi. Vous partez de ce que vous ouvrez et vous améliorez avec les boosters. Donc voilà, ben, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour... je vais changer d'écran, comme ça on se voit mieux. Je vous dis à la semaine prochaine pour le petit tournoi pré-release. Et donc je vous remonte encore la petite boîte, bien sympa. Donc on espère, ici j'ai rien eu, hein. Vraiment booster banane comme d'habitude, mais ça c'est ma chance habituelle, enfin je ne vais pas pleurer, j'ai quand même relativement de la chance. Donc voilà la petite boîte avec un beau gros Pikachu derrière. Et ça, c'est la carte qu'on veut absolument. Parce que j'ai regardé un petit peu les cartes, l'extension n'a pas l'air dégueu. Donc voilà, je vous fais des bisous. À bientôt. Hop là. Voilà.